c'est pas mon shotgun là. Jump là que j'aime pas. Un coup de main. Absolument rien, ça. Ok. Mais il y avait un petit boss. Un petit clin d'œil à Batman. Ma quête à la recherche du Claptrap et de Rachamat Typhon continue. Ça va être n'importe où. La map est immense. Ça a rapport avec un point spécifique dans la map. Comme ça, peut-être se bâtisse là-bas au rapport. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose quelque part. Je sens que ces cristaux résonnent. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose. Oh, attends.
continuons notre quête. On va aller par là, on va aller sur le rebord, on va aller... C'est là que je me suis retranché. Je me rappelle encore le vent dans mes cheveux et le sang sur mes mains. J'imite le cri du rat pour attirer les complices d'Azlan un par un, et je les écrabouille avec un gros caillou. Au bout d'un moment, il reste plus que l'autre salopard et moi. Je sais que t'es là, de Léon. Cette fois, t'es cuit, qui me dit. Alors je lui lance. Tu connais ton plus grand défaut, Azlan? T'as pas d'amis. Et là, quand il pointe son flingue sur moi, boum! Les skags à qui j'avais lancé mon jambon lui sautent dessus. Quand les bêtes ont eu fini de le boulotter, je suis venu me recueillir. Mais il restait plus que le jambon. Je peux comprendre l'attirance de Typhon pour la vie d'un cultivateur de caca après tout ce qu'il a enduré. J'ai connu ça moi aussi. Mes parents étaient de simples concepteurs d'isotopes sans le moindre hyper doctorat. Bien, prenez votre butin. C'est où? C'est au début de la map. Quand même pas spé. Fait qu'il y a un clap-trap à quelque part. Je sais pas où. Un artefact là, une affaire de je peux pas faire rien. On voit quelque chose de proche. Je regarde dans la map principalement, au cas où. Je vais voir un claptrap. Ça va juste finir, je vais aller sur internet, voyez où. Ben, je pense que je vais être capable de le trouver. De toute façon, ça va pas être trop compliqué. Parce que c'est principalement une zone vide à Gary. Ouais. Dans ça et ça, ça va être bizarre. Des affaires vite et pas. Ok, voyons voir ça la map. J'ai été un peu partout. Ça pourrait-tu être en dessous d'un. Ce genre de truc là? Putain, je m'en vais à côté et puis on le voit pas. Peut-être faut que je rentre dedans. Hein? De ce genre de spot foot. Un point de gardien à dépenser. Parce qu'effectivement, il me reste encore un claptrap à trouver. Et je ne pense pas l'avoir vu. Tu sais, des zones, j'ai pas été ça. J'ai été partout ça.
C'est vraiment quelque part. C'est un véhicule que j'ai pas, je pense. On va le mettre ici. D'entraînement. Que moi je veux progresser, fait que je vais aller voir directement vite vite où est-ce qu'il pourrait être. C'est une place que j'ai pas été. J'ai été un petit peu partout. La map est tellement grosse que. Ok, je recherche en tabarnak. C'est une place que j'ai déjà été. En gros, faut que je retourne là. Il serait genre. Il serait dans ce coin-là. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas vu le claptrap. Aucune idée. Moi, il doit être dans cette bâtisse-là. Es-tu vraiment là? Ça m'a douté. Moi, c'était pas vrai, ça.
Oh, attends une seconde, là, dans votre... Oh my god. Comment t'arrêtes? C'est un miracle de la fin mercenaire! Sauf pour ce petit gars. Avec ses LED multicolores, mon ami va voir à quel point je suis beau à l'intérieur, comme à l'extérieur. Ok, par contre, de tout. Faut le camp de site, puis aller dans le vaisseau. And the ship. T'as pas à rester gros, là. Vous avez... pour l'histoire principale. Les ennemis n'ont pas réapparu. J'arrive. Vaisseau gigante. Bon monde. Oh, frimousse! La lumière! Ok, une autre zone. Ici, on a juste un clap-clap de CD. C'est tout ce qu'on a, puis c'est bien assez. Une petite map, bien fun. Parfait, ça, j'aime ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi est-ce que rien ne marche? Patos! Répare ça! Faites venir les ingénieurs! Je veux que l'agoniseur 9000 recommence à tuer! Allez! 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 On dirait pas, mais ça devient assez urgent! Patos. C'est le boss. Une
la tête sale. C'est vaste comme place. N'oublions pas qu'on a la recherche d'un clapuap. À chaque recoin.
monter encore plus haut. Oh! Non, ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il va être ça. J'étais partout. Tu touches au but, rapace de l'arche mégalomane. Mais tu nous arrêteras pas si facilement. D'une façon ou d'une autre, nous allons sacrifier cet hérétique. Si vraiment ce sont mes derniers instants, qu'est-ce qu'il restera de moi? Un millier d'expériences abandonnées? Tous ces artefacts non découverts et ces questions sans réponse? Je n'ai jamais trouvé la planète des Iridiens, et ça ne risque plus d'arriver maintenant. Oui. Meilleure, plus forte. Allez, ben là. Ok, fait que là, moi, j'avais ramassé ce que je voulais ramasser. Le but, c'était de ramasser ça et ça, hein. Il y a l'air d'avoir plusieurs étages. Là, je peux aller en bas. Allez voir ça. S'il y a un clap-chop, je pense qu'il serait en bas ici. Ce serait logique. Ce serait très logique. Il n'y avait pas de clap trap, mais il y avait quelque chose de bon. Alors, est-ce que ça vous plaît?
pas pour la gloire. Alors ça, ça envoie. Tu vas crever. Des mains. On est là. C'est mon plaisir de remplir les cimetières. C'est que faisant boule. Je suis prête à libérer ce pouvoir. Je sais pas si le capture va être bien caché ou pas. Pourquoi je peux monter ça? Quelque chose là. C'est pas ce que je pensais que c'était, mais ça va faire la job. Ça fait tellement le bien. Tu sais faire? Reste bien gros avant de... où est-ce qu'il pourrait être? Rapace, bonne nouvelle! Je dois bien l'avouer, nos abonnés t'adorent! Nous avons peut-être des désaccords qui sont aussi insurmontables. On peut dire ça, oui! Mais s'il y a bien une chose que je peux reconnaître, c'est une véritable machine à tuer. Les Calypso avaient raison.
tellement bon. Peut-être qu'il va être seul. Non. Il est là. Oh, il était si proche de pouvoir faire le plein quand il est tombé à sec. C'est poignant. Quel drôle de mot, poignant. Poignant. Avec ce réservoir, mon nouvel ami ne tombera jamais à sec. C'est bon, ça. Si je meurs, j'aurai quelques petites tâches à vous confier en mon nom. D'abord, il y a une affiche dédicacée de Typhon de Léon dans ma chambre sur Sanctuary. Donnez-la. Ensuite, j'ai une banque de données d'informations compromettantes sur mes rivaux scientifiques. Je vous prierai de la diffuser sur les connettes. Et enfin... Oula, oula, ma petite dame. Vous êtes sur le point de vous endormir. Vous n'allez pas rater le grand moment. Satos, l'électricien. Oh, non, venez-les tous, les salopards. Oh, je change les gommes. Un coup de main. Essayez. Foncez tous. Quelqu'un d'autre veut tenter sa chance?
Pas vous. Lâche-moi. Thank him. J'adore la glace. La musique. On sait quand on drop, c'est un boss. Let's go! Bon, là, c'est pathos. Avec l'agoniseur 9000, oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Admirez l'agoniseur 9000! Notre rapace de l'arche est en feu! Ce sera bientôt le cas! Tout le monde est le bienvenu sur la scène.
jumeaux. On va faire ça vite, ok? Je comprends. On est tous. Attention la tête! Thank you.
demande générale, c'est le méga buffer. Incroyable. C'est quand même rough comme boss. Je veux voir vos dents! On va traverser la petite cuillère. J'essaye, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ouh, le noyau. Ah, oh, dans la gueule, peut-être. On va y aller un peu d'héritage. Je suis prêt à vous pouvoir. Ah, les petits Chris, là, me gosse. Royalement. Silence. J'ai déjà oublié qui tu es. C'est pas terminé. Attends. Frappe directement avec le noyau d'Héritium. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça va être de l'iridium, ça veut dire quoi ça? C'est une sirène? Eh ben, c'était une sirène. Bon, eh bien, voilà qui est fait. Vous... Vous avez sans doute des questions? Je peux y répondre. Quelqu'un qui est une sirène, hein? The fuck? Attends, j'ai quelque chose là-bas. Allez-y, j'attends vos commentaires. Vous êtes aussi une sirène? Oui. C'est pour ça que vous m'entendez dans votre tête et que je peux charger les clés. Quant à mes pouvoirs particuliers, je peux manipuler les machines et tout ce qui possède un courant électrique. On parle ici de changement de phase. C'est un cadeau que m'a fait un ange gardien. J'aurais préféré que ça reste un secret, mais avec cette machine de mort infernale... Enfin, vous étiez là. Et maintenant, toute la galaxie est au courant. Je suis une star. On se retrouve à bord de Sanctuary, chasseur de l'Arche. Oh, et merci pour le sauvetage. Donc, c'est Ange, dans le deuxième jeu, qui a donné son pouvoir. Intéressant. Très intéressant.
Boss plutôt intéressant aussi. Je veux dire, pas trop facile. Pas trop difficile. Juste correct avec du challenge. Tu dois plus te sentir pissé maintenant que t'as sauvé Tanis. Mais n'oublie pas que je reste ton supérieur et que je sais où tu dors. Je rigole, mais pas vraiment. Sur le pont! C'est allumé, ça? Test 1, 2. Salut, chasseur de l'arche. On a une opportunité pour toi. Tu peux pas rater ça! Nous, on me le dit à chaque fois. Jusqu'à temps que je le fasse. Ça alors? Salut! Le chasseur de l'arche est là. Salut, recrue. Merci d'avoir sauvé Tanis. On dirait que je peux toujours compter sur toi, quoi qu'il arrive. Je voulais te le dire, mais... les sirènes ont une cible sur la tête par les temps qui courent. On devrait s'occuper d'un problème plus pressant. Le chasseur de l'arche a coupé les fonds des Calypso, mais ils ont déjà reçu une quantité impressionnante d'iridium. Ils comptent bien s'en servir pour quelque chose. Ouvrir la Grande Arche, par exemple. Tanis, ça veut dire que la Grande Arche existe vraiment ? Ouais, je suis assez d'accord. Pardon ? Je ne fais que prendre en compte les preuves que nous avons. Lilith, si la Grande Arche existe bel et bien, la créature qu'elle contient doit être affreusement puissante. Les Calypso sont déjà des monstres. Je veux pas savoir ce qu'ils feraient en mettant la main sur ce genre de pouvoir. Après m'avoir enlevé, ils m'ont enfermé dans une forteresse où ils entassaient tout l'iridium reçu en offrande. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais c'est là que ça se passera. Alors c'est là qu'on va frapper. Recrue, va au repos de Roland et dis à Vaughn de rassembler les pillards. Il est temps d'en finir. C'est la guerre! Ok. Faire en sorte que Vaughn se joigne à vous. Je pense qu'il est déjà... je pense qu'il est déjà prêt à se joindre à nous. Vous me cherchiez? Tu trouveras pas meilleure balle que celle de Marcus. Allez, viens, achète un truc. Un autre d'acheter. Donc là, il faut aller sur le repos. Repos de Roland. Juste à temps, chasseur de l'arche. J'ai cru qu'on était foutus. Oh 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 oh.
l'heure d'écraser les pillards écarlates une bonne fois pour toutes. Tyrine, envoie-leur Brayton. Je te nomme Ravageur des Roustons de Roland. De l'iridium, super. Allez, va tout massacrer, mon gladiateur. Des quasi-dieux. Whoa, what the fuck was that? De Roland est sauvé. Ah merde, ça fait du bien de gagner un peu. Maintenant la papote. Hey, il paraît qu'on va prendre d'assaut la forteresse des Calypso. Ah, c'est pas trop tôt. Tu peux compter sur moi. J'en ai marre d'être leur beau joujou. C'est la guerre! Écoutez-moi bien, les poteaux et les potasses. C'est notre moment. On va se jeter sur les portes des Calypso et montrer à ces turbo-connards ce qui se passe quand on cherche les pillards écarlates! Ces turbo-connards. Pillards écarlates! À l'attaque! Ok, donc là on s'en va là-bas, attaquer les défenses. C'est bien. Ok. Fait que ça va être pour la fin de cet épisode. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous dis pika pika à tous et à la prochaine.